Bonjour, je m'appelle Mirosi Samira. Je présente aujourd'hui mon travail qui s'intitule sur l'impact toxique d'un insecticide, Restule, à l'égard d'une espèce non visée qu'il a de serre, Daphnia magna. Mon échantillon se récolte au niveau du lac Garat Jamel, au niveau du wilaya de Tarf, la figure 1. La figure 2 se présente le matériel biologique, tant que la figure 3 se présente l'insecticide et la structure chimique. Mon travail se divise en trois parties. Premièrement, le prélèvement des échantillons. Deuxièmement, la préparation de Restule. Et troisièmement, la suivre de mortalité qui se présente au niveau des tableaux et les graphes, les trois tableaux et les deux graphes suivants. Le tableau 1 représente le pourcentage de l'effet de la CL50 de Restule sur Daphnia magna. Le tableau 2 représente le pourcentage de l'effet de la CL90 de Restule sur Daphnia magna. Le tableau 3 représente les résultats de l'analyse de la variance à deux critères de classification. Enfin, malgré des effets toxiques enregistrés pour divers organismes, cet insecticide testé sont largement employés en usage agricole. Le Restule est une molécule qui a fait l'objet de nombreux essais d'écotoxicité avec d'autres espèces, mais cruellement, il y a peu de travaux relatifs à l'écotoxicité avec cet organisme. Au surplus, ces travaux n'ont pas été publiés dans des revues internationales à commenter de lecture.